Yahoo Beauty Bancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve du coup pour une vidéo assez particulière. C'est un bilan manga sur le manga draw, mais en même temps du blabla, c'est un mélange des deux. Mais tu vas tout de suite comprendre, donc je tiens à m'excuser pour ceux qui attendaient un avis comme d'habitude. Cette vidéo là ça va être complètement différente, mais c'est en même temps une façon de m'exprimer et de savoir ce que vous tous, parce que maintenant vous êtes quand même 1052 je crois à l'heure où je filme. Vous êtes beaucoup à attendre certains de mes avis. Je fais quand même entre 150 à 300 voire 400 vues selon la vidéo ou quoi. Et je me devais quand même d'être honnête avec vous parce que je ne l'ai pas été dans le passé. Je vais m'expliquer. En fait, tout simplement, le manga Draw est un manga en 4 tomes d'édition Tonkam Delcourt. C'est un seinen, c'est tout ce que j'aime en gros. J'ai acheté que les deux premiers tomes, j'ai abandonné en fait après le tome 1 et c'est arrivé quelquefois en fait, je t'explique en gros, le matin quand je m'installe pour lire, je m'installe, je mets le manga sur mes cuisses souvent et je fais une photo parce que j'allonge mes jambes sur un tabouret, donc voilà, je l'allonge et je prends une photo, bref, et je poste la photo sur Facebook et sur Instagram. Et une fois que je l'ai lu, et ça arrive en fait quand c'est des mangas comme celui-ci où je n'ai pas de réel avis, où au final je supprime aussitôt la photo dès que je vois en fait que je n'accroche pas à l'œuvre, aussitôt je retourne sur mes comptes supprimer la photo pour faire comme si en fait cette série n'avait pas existé. Mais en même temps c'est vous mentir et ça c'est un truc dont j'ai horreur. Honnêtement c'est un truc dont j'ai horreur, mentir à mes amis, mentir à mes abonnés. Et voilà, là c'est une série, alors que j'ai oublié dans la vidéo, leur série se termine enfin, mais que voilà, j'ai acheté, je l'ai présenté dans un hall. Il y a eu une fois aussi où j'avais fait exprès de ne pas montrer le manga acheté dans le hall pour ne pas dire j'ai acheté, donc qu'on me demande un avis. Là je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité, je ne l'ai du coup... En fait je vais te mettre une bulle qui va t'expliquer mon avis, que ce soit sur l'œuvre, donc sur ce que j'ai lu, et sur les couvertures. La voilà qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est mon avis sur l'œuvre. Ça résume la situation. Donc du coup, j'ai lu le tome 1, quasiment en entier. Je vois en fait ce que j'ai pas lu, pour donner un avis. Ouais, voilà. Donc, je n'ai pas lu ceci. Voilà, parce qu'après on a, voilà, ici, parce qu'après c'est du pub, du blabla, enfin voilà, tu vois, des trucs inutiles. Je n'ai pas tout lu le volume 1, donc ça déjà c'est un gros manque de respect de ma part, donc ce qui prouve que je n'ai vraiment pas accroché. De A à Z, je ne savais pas du tout ce que je pensais, parce qu'au final, je me suis posé la question à la moitié du manga, en me disant, mais qu'est-ce que tu ressens sur cette œuvre? Est-ce que tu l'adores? La surkiffes? Gros coup de cœur? Bof, pas terrible, flop, en dessous du flop. Et au final, je me suis rendu compte que je ne ressentais réellement rien. Aussi vite que ce mur autour de moi. Voilà, autant que mon décor est décoré. Et donc du coup, je voulais avoir justement votre avis là-dessus. Quand ça arrive, est-ce que vous préférez quand même que je vous fasse une vidéo comme d'habitude ? Sachant que moi je n'aime pas du tout ça parce que j'ai l'impression de me foutre de votre gueule plutôt qu'autre chose. Surtout là où j'ai réellement aucun avis. S'il y a certains où je le ressens, c'est un flop pour moi, voilà. Mais là je n'ai juste pas accroché et comme je te l'ai montré dans une bulle, je ne ressens réellement rien pour cette œuvre. Donc est-ce que vous préférez quand même que je fasse une vidéo? Bien qu'en fait au final vous n'allez rien y gagner parce que vous aurez perdu votre temps sur une vidéo qui fait plus ou moins 8 à 10 minutes. C'est ce que je fais actuellement. Est-ce que vous préférez que je fasse une vidéo genre tous les 6 mois, un récap en fait des séries qui n'ont pas dépassé le volume 1 et où je vous fais un débrief de pourquoi je peux filmer, je veux dire filmer juste après l'avoir lu, comme là je l'ai fait, enfin comme là je le fais et comme je fais d'habitude, mais faire un montage du coup de toutes les séries que je n'ai
pas dépasser le volume 1 auquel je n'ai pas accroché et vous expliquer pourquoi. Et ça vous fait un débrief quand même sur les 6 derniers mois sur le nombre de séries qu'il y a eu. S'il y a une ou deux séries, je ferai qu'une fois par an, bien entendu. Mais c'est arrivé, je crois, 5 ou 6 fois depuis le début de la chaîne. Alors, quand je compte début de la chaîne, je compte plutôt depuis 2015. L'année 2014, on la compte à moitié, quoi. On la compte même pas du tout dans les statistiques. Et même 2015, mars 2015, on va dire. Voilà. C'est arrivé quelques fois, mais très peu. Donc voilà, je voulais vraiment avoir votre avis. Alors après, je peux très bien vous montrer la qualité du dessin. C'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer aussi les couvertures. Mais il faut savoir vraiment que je ne ressens absolument rien pour cette œuvre. Voilà, c'est un... Je ne saurais pas comment expliquer ça, en fait. Il faudrait que quelqu'un arrive à mettre des mots sur ça, sur le fait de vraiment d'avoir lu une œuvre et de vraiment rien ressentir pour elle. Et c'est vraiment le néant, mais c'est hallucinant, en fait, comme je suis incapable de ressentir quoi que ce soit pour cette œuvre. Et à ce point-là, aussi extrême, honnêtement, je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé, ou alors une seule fois. Donc voilà. Donc du coup, au niveau des couvertures, ma foi, c'est plutôt sympa. Beaucoup de fanservice, je trouve. Parce qu'en fait, voilà, la couverture, elle est comme ça. Donc on est en mode comme ça. Bien entendu, la fille, voilà, la jupe très courte et surtout tenue trempée. Là, on retrouve du coup nos deux sorcières de l'histoire. En tout cas, que l'on retrouve dans ce volume. Voilà. C'est marqué pour public averti et je confirme, par contre. Et là, en fait, on a comme des dialogues. Scénario, chapitre 1, ouais, on a voilà, des trucs sans intérêt pour moi, perso. On retrouve du coup l'autre sorcière. Là, on retrouve celle-ci. Là aussi, on a du blabla, des phrases échangées, etc. Franchement, c'est pas du tout mon truc. La couleur rouge est plutôt sympa, je trouve. Voilà, vous voyez exactement la même chose que moi au niveau de la couleur. La page en couleur qui est quand même plutôt sympa. Moi, je l'aime bien. Voilà, j'ai juste ça à dire. Sauf le petit fan service où on voit cette petite culotte. Voilà, ça, moi, je ne comprends pas ce genre de choses. Et voilà. La page des sommaires que je surkiffe avec des squelettes parce que j'aime bien tout ce qui est bah, seinen, drame, tout ça, mort, compagnie. La qualité de dessin qui est ma foi pas dégueulasse, elle est sympa mais sans plus pour moi. Voilà, je l'aime bien, hein. Franchement, c'est un hein, j'aime bien tout court, voilà. Mais j'aime pas et je déteste pas quoi en fait. Là aussi, j'ai pas réellement d'avis. Voilà. En ce qui concerne du coup le volume 2 du coup que je n'ai même pas ouvert. Là aussi, du fan service pour les jaquettes. Voilà, parce que là, on voit de dessous sa culotte. Là, on a la pub pour le manga du coup DeadTube, qui est un manga qui m'intéresse malgré le fait qu'il soit plutôt désingué au niveau des avis de personnes. Mais je me ferai mon propre avis, ça c'est sûr. Donc là aussi, j'aime bien le coup du squelette. Le personnage là, je l'aime bien, ma foi, je préfère elle que l'autre. Donc du coup, en ce qui concerne la page couleur de cette fois-ci, je la mettrai sur Instagram. Je ne la montre pas sur ma chaîne parce que ce n'est pas ce genre de choses que je veux afficher sur ma chaîne, tout simplement. Voilà, c'est du beau fan service, mais je ne veux pas mettre ça sur ma chaîne. Là aussi, la page des sommaires, du coup, en bleu. Au-dessus, on a un petit résumé ici de ce qui s'est passé dans le volume précédent. Donc c'est plutôt sympa et donc du coup, on attaque directement avec l'œuvre. À la fin du manga, on a la pub pour d'autres séries qui sont des mêmes... du même éditeur tout simplement, donc voilà, on a quelques titres, je te les mettrai en barre d'infos pour que ça aille plus vite, donc voilà. Donc du coup la vidéo est quasiment aussi longue qu'une vidéo où je t'aurais présenté le manga, je tiens à m'en excuser pour tout ça, n'hésitez pas du coup à me donner votre avis, c'est très important parce que justement ça me permet de savoir ce que vous voulez et pas de faire que pour ma pomme parce que cette chaîne n'est pas que ma chaîne, elle est aussi la vôtre et j'ai besoin de votre avis pour savoir ce que vous voulez voir sur cette chaîne justement, ce n'est pas qu'un truc purement égoïste, voilà. Donc du coup j'espère quand même que cette vidéo t'aura permis de savoir mon avis, j'espère au moins que tu pourras du coup me répondre et que tu comprendras du coup que j'ai pas eu le cœur à faire une vraie vidéo comme d'habitude parce que pour moi c'est juste te mentir. Donc sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je ne vous demande même pas de like parce que là ça ne servirait vraiment à rien. Sur ce, à bientôt !